Les forces de sécurité iraniennes ont interpellé les membres d'un réseau d'agents travaillant pour Israël et découvert une cache d'armes destinée selon Téhéran à être utilisée lors des manifestations contre la pénurie d'eau qui agite la République islamique depuis 2 semaines, rapporte mardi des médias officiels. Téhéran accuse régulièrement ses ennemis ou ses rivaux comme Israël, les États-Unis ou encore l'Arabie Saoudite, de tenter de déstabiliser le pays en attisant les manifestations et les violences. L'Iran fait face à sa pire sécheresse depuis 50 ans, et des manifestations à la suite de graves pénuries d'eau, initialement cantonnées au sud-ouest du pays particulièrement touché, ont pris un tour politique et se sont étendues à d'autres régions ces derniers jours. Les autorités ont accusé des dissidents armés de provoquer des affrontements pendant ces manifestations, tandis que des groupes de défense des droits de l'homme ont dit que les forces de sécurité avaient ouvert le feu contre les manifestants.